We have seen his goodness. Nous avons vu sa bonté. We have seen his mercy. Nous avons vu sa miséricorde. We have seen his love. Nous avons vu son amour. From the very beginning of the year, depuis le début de cette année, to this very moment, jusqu'à ce moment, this tenth month of the year, ce dixième mois de l'année, today being the last Sunday of the month, aujourd'hui étant le dernier dimanche du God mois, has been so mindful of us. Dieu a pris soin de nous. He deserves all the praise. Et il mérite toute la louange. He deserves all the glory. Il mérite toute la gloire. Why not lift your hands to heaven once again? Pourquoi ne pas élever vos mains ce from matin? From the depth of your heart. Et du fond de votre cœur. Celebrate God for His goodness. Célébrez Dieu pour sa bonté. Appreciate Him for His love. Appréciez-le pour son amour. Appreciate Him for all His benefits we are enjoying. Appréciez-le pour tous ses bienfaits dont nous jouissons. Appreciate Him for all the benefits we are enjoying. Appréciez-le pour tous les bienfaits dont nous jouissons. Father, we have seen Your goodness. Père, nous avons vu ta bonté. We have seen Your mercy. Nous avons vu ta miséricorde. We have seen Your love. Nous avons vu ton amour. Oh, blessed be Thy name. Béni soit ton nom. You deserve all the glory. Tu mérites toute la gloire. You deserve all the glory. Tu mérites toute la gloire. What another privilege this morning? C'est encore un autre privilège ce matin. To come and behold Your glory. De venir contempler ta gloire. Father, we thank You. Père, nous te disons merci. Father, we celebrate You. Père, nous te célébrons. Thank You, Father. Merci Père. Blessed be Thy name. Béni soit ton nom. For in Jesus most glorious name. Et au nom glorieux de Jésus, nous avons remercié. Now begin to place a demand on today's service. Maintenant, demandez quelque chose en ce service. Father, make this service my service. Père, fais de ce service mon service. I refuse to return the same way I came. Je refuse de retourner la même personne. Lord, give me an encounter. Seigneur, donne-moi une rencontre. Give me an encounter. Donne-moi une rencontre. I refuse to return the same way I came. Je refuse de repartir la même personne. Make this service my service. Fais de ce service mon service. Make this service my service. Fais de ce service mon service. Reseroba le reseto brosanora setaba. Father, in the name of Jesus Christ. Père, au nom de Jésus-Christ. Make this service my service. Fais de ce service mon service. I refuse to return the same way I came. Je refuse de repartir la même personne. Give me an encounter. Accorde-moi une rencontre. Give me an encounter. Accorde-moi une rencontre. Thank you, Father. Merci, Père. Blessed be the name. Béni soit ton nom. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. In Jesus' most glorious name, au nom glorieux de Jésus, nous avons prié. And sweet and lovely Holy Spirit of God, doux Saint-Esprit de Dieu, the chief custodian of the church, toi le garant de l'Église, we have come again to dine at the feet of our Lord Jesus Christ. Nous sommes venus dîner au pied de notre Seigneur Jésus-Christ. Give everyone an encounter this morning. Accorde à chacun une rencontre ce matin. Cause us to see Jesus again. Permets-nous de voir Jésus à nouveau. Cause us to see Jesus again. Fais-nous voir Jésus à nouveau. Let every challenges be humiliated. Que tous les défis soient humiliés. Clothe us with glory and honor again. Revêt-nous de gloire et d'honneur. And we vow to return all the glory to the Father. Et nous faisons le vœu de retourner toute la gloire au Père. In the name of Jesus the Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dis amen. Say amen. Give the Lord a big clap of you once again. Que nous fassions l'acclamation pour le Seigneur. As you probably have your seat. S'il vous plaît, asseyez-vous. The choir, God bless you for that powerful ministration. La chorale, que Dieu vous bénisse pour cette très belle performance. Hallelujah. Amen. On behalf of Jesus Christ, the owner of the church. De la part de Jésus-Christ, le chef de l'Église. I welcome you all. Je vous souhaite tous la bienvenue. To this first pre-Shiloh encounter service. À ce premier service de rencontre pre-Shiloh. It's also our end of the month Thanksgiving service. Et aussi notre service d'action de grâce. One thing is certain. Une chose est certaine. This service will answer for you. Ce service répondra à son nom pour vous. In the name of Jesus the Christ. Au nom de Jésus Christ. I have the honor and privilege to bring all this first word this morning. Et nous avons l'honneur et le privilège de nous apporter cette première parole ce matin. And we have been looking at the empowerment of the Holy Spirit. Et nous avons examiné depuis le début du mois le revêtement de puissance par l'Esprit. The aid of the Holy Spirit to our actualizing glorious destiny. L'aide du Saint-Esprit pour actualiser notre destinée glorieuse. I know we are fully empowered now. Et je sais que nous avons été pleinement revêtus de puissance. And no force will stop your manifestation. Et puis aucune force ne pourra arrêter votre manifestation. In the name of Jesus the Christ. Au nom de Jésus-Christ.
In this first Priscilla encounter service, et dans ce premier service de rencontre Priscilla, we'll be looking at unveiling the rescue power of light. Nous allons examiner la question de la puissance de secours de la lumière. Unveiling the rescue power of light. Dévoiler la puissance de secours de la lumière. You don't need to look far before you see the manifestation of darkness. Vous n'avez pas besoin de regarder loin pour voir la manifestation des ténèbres. Isaiah 60. Ésaïe 60. Verse 2. Verset 2. He said darkness. Il a dit les ténèbres. And gross darkness. Et l'obscurité profonde. Shall cover the earth. Couvriront la terre. Darkness. Les ténèbres. Represent wickedness. Fait allusion à la méchanceté. Darkness. Les ténèbres. Represent the activities of the wicked ones. Représente les activités des méchants. 1 John chapter 5 verse 19. 1 Jean chapitre 5 verset 19. 1 John chapter 5 verse 19. 1 Jean chapitre 5 verset 19. He said, and we know that we are of God. Because the whole world lies in wickedness. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. We are living in a world that is governed by wickedness. Nous vivons dans un monde qui est gouverné par la méchanceté. The world is dominated by wickedness. Le monde est dominé par la méchanceté. Is dominated by darkness. Mais dominé par les ténèbres. And never you think. Et ne jamais penser that it will roll away. Que cela s'arrêtera. It will keep going darker by the day. Ce sera encore plus ténébreux jour après jour. Hallelujah. Amen. If you check the rate of wickedness in society today, si vous examinez le taux de la méchanceté dans la société you aujourd'hui, will discover it's on the increase. Vous découvrez que cela n'a de cesse de croître. You will discover it's on the increase. Vous découvrez que ça ne cesse d'augmenter. Wickedness is increasing by the day. La méchanceté augmente jour après jour. And it will keep increasing. Et c'est que ça continuera à augmenter. Don't think that my prayer or your prayer. Et ne pensez donc pas que votre prière et ma prière. Stop the world from being engrossed with darkness. Empêchera que le monde soit sous le siège de des ténèbres. Hallelujah. Amen. It cannot stop the world from being engrossed in darkness. Cela ne peut pas empêcher que le monde soit enveloppé ou gouverné par les ténèbres. It will keep growing darker and darker by the day. Ce sera toujours plus ténébreux jour après jour. Wickedness will keep increasing and increasing by the day. La méchanceté continuera à augmenter jour après jour. But however, cependant, you and I, vous et moi, we are not subject to darkness. Nous ne sommes pas assujettis aux ténèbres. We are not subject to wickedness. Nous ne sommes pas assujettis à la méchanceté. Now let me put it this way. Et je vais le dire de cette façon. The world we are living today, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, is full of darkness. Est rempli de ténèbres. For you to be a part of the world, pour faire partie du monde, you are just a part of darkness. Vous êtes en réalité dans les ténèbres. You must be cut out of the world. Vous devez sortir du monde. You must come out of the world. Vous devez sortir du monde. Because you can't live in the world. Vous ne pouvez pas vivre dans le monde. And not be engrossed in darkness. Et ne pas être sujet aux ténèbres. That's why that Isaiah chapter 60. Pourquoi Isaïe chapitre 60? Verse 1 begin. Le verset 1. He said, arise. Il a dit, lève-toi. And shine. Et sois éclairé. For your light is come. Car ta lumière arrive. The glory of the Lord is risen upon you. Et la gloire du Seigneur se lève sur toi. The verse 2 now talk about darkness. Et le verset 2 parle des ténèbres. And great darkness upon the earth. Et l'obscurité sur la terre. Hallelujah. Amen. He said, but in that same verse 2. Le verset 2. He said, the people. Il dit le peuple. But the Lord shall arise. Mais l'Éternel se lèvera. Upon his people. Sur son peuple. The verse 3. Maintenant le verset 3. Verse 3. Verset 3. He said, and the Gentiles. Il dit des nations. Shall come into the light. Marche à ta lumière. Hallelujah. Amen. So in other words. En d'autres termes. The world will keep engrossing in darkness. Le monde continuera à évoluer dans but les ténèbres. You and I that are not the Lord. Mais vous et moi. Because we are not part of this world. Parce que nous ne faisons pas partie de ce then monde. Then we will be a light bearer to this world. Nous serons les porteurs de lumière dans then ce monde. Men that are being engrossed in darkness, alors que les hommes seront sujets aux ténèbres, then we need your light to see. Ils auront besoin de votre lumière. That's pour voir. The Bible say, c'est pourquoi la Bible in dit the day we are in now, dans les jours où nous sommes, that they may
Il a dit 10 hommes tiendront le juif par son vêtement. Et diront, nous avons vu ton Dieu. Conduis-nous à ton Dieu. We have seen your light. Nous avons vu ta lumière. Show us your light. Montre-nous ta lumière. We are tired of darkness. Nous sommes fatigués des ténèbres. Show us your light. Montre-nous ta lumière. Hallelujah. Amen. So we need your light. Donc ils ont besoin de votre lumière. To be meaningful on earth. Afin qu'ils aient du sens sur terre. Hallelujah. Amen. So with the armor of light. Avec l'armure de la lumière. We cannot be held hostage by the power of darkness. Nous ne pouvons pas être captifs des puissances de ténèbres. So with the armor of light. Avec l'armure de la lumière. You are above darkness. Vous êtes au-dessus des ténèbres. Because light. Parce que la lumière is superior. Est supérieure. To darkness. Aux ténèbres. Any day. Chaque jour. Any time. À tout moment. Anywhere. Peu importe le lieu. At all costs. À tout prix. By all costs. Par tous les moyens. In all ways. De toute façon. Light is superior. La lumière. Lumière est supérieure. The dominion of light. La domination de la lumière. Over darkness. Sur les ténèbres. Is unquestionable. Et inquestionnable. And is unstoppable. Et inarrêtable. Hallelujah. Amen. So don't be afraid. Donc ne soyez pas apeurés. When you hear wickedness. Lorsque vous entendez parler don't de méchanceté. Be afraid. N'ayez pas peur. When you hear darkness. Lorsque vous entendez ténèbres. Because greater is he. Parce que celui qui est en that vous. Is in you. Est plus grand. Than he que celui. That is in the world. Qui est dans le monde. The light in you, la lumière en vous is a superior light, et la lumière supérieure qui ne peut pas être éteinte par la puissance des ténèbres. Ce dont vous avez besoin, c'est d'allumer and et les ténèbres disparaîtront. I don't care the area et peu importe le domaine have your life, où les ténèbres ont tourmenté votre vie, je me fiche pas mal du domaine. Là où les ténèbres sont en voie leur chemin dans I votre have vie, a good news for you. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. At the instant of light, à l'instance de la lumière, darkness goes. Les ténèbres disparaissent. Darkness goes. Les ténèbres disparaissent. Somebody this morning. Quelqu'un ce matin. That power of darkness. Cette puissance de ténèbres. That have held your family hostage. Qui a tenu captive that votre have famille. Your destiny hostage. Qui retient votre destinée over captive. The years, depuis ces années. Over the months, depuis des mois. Over the weeks, depuis des semaines. It's expiring now. Aujourd'hui ça expire. It's expiring now. Aujourd'hui cela expire. Au nom puissant de Jésus. In the mighty name of Jesus. Somebody under the sound of my voice. Quelqu'un à l'écoute de ma voix. You are breaking limits. Vous allez briser des limites. You are breaking limits. Vous brisez des limites. Romans chapter 13 verse 12. Romains chapitre 13 verset 12. He said the night is fast spent. Il dit voici la nuit est avancée. The day is at hand. Le jour approche. Let us therefore cast off. Dépouillons-nous. The works of darkness. Donc des œuvres de ténèbres. And let us put on the armor of light. Et revêtons les armes de la lumière. So that scripture is admonishing you and I. Et cette écriture nous concerne we vous et moi. We cannot operate the activities of darkness. Nous ne pouvons pas opérer avec les activités des ténèbres. And expect light to appear. Et espérer que la lumière paraisse. You can't walk in darkness. Vous ne pouvez pas marcher dans les ténèbres. And expect light to shine on et you. Et espérer que la lumière luise sur come vous. Come out of them. Come out of them. Sortez du milieu d'eux. They don't owe you any strength to hold you. Ils ne vous doivent rien du tout. Come out of them. Sortez du milieu d'eux. I see the hand of God upon you. Et je vois la main de Dieu sur vous. Now let me share this testimony. J'aimerais vous partager ce témoignage. A brother got a job. Un frère a obtenu un emploi. And he was promoted to a board member. Et il a été promu faisant partie de l'équipe exécutive. Executive, thank you. Promoted to executives. Faisant partie de l'équipe exécutive. And they said to him, et on lui a dit, we are going to hold inauguration service for you. Nous allons te recevoir et te souhaiter la bienvenue. Where you will be formally welcomed into the board member of this company. Là, on va te souhaiter la bienvenue dans le conseil d'administration de la compagnie. They organized the board meeting. Et ils ont organisé cette réunion. He never knew. Et il ne savait pas every board member of that company que tous les membres de ce conseil d'administration was an occult. Étaient tous des hommes occultes. Was an occult. Tous étaient engagés dans des activités so, occultes. What they call inauguration was actually to initiate him. Ce service de bienvenue, encore réunion de bienvenue, the occultic cycle. Était une initiation dans ce cercle occulte. And he was a light, this brother was a light carrier. Mais ce frère était un porteur de la lumière. And they got to the boardroom. Et ils sont arrivés dans cette salle de réunion. Everybody sat. Ils s'étaient tous assis. And they brought out a pot. Et ils ont fait sortir une marmite. Then they began to cut their nails.
Une bassine, ils se sont tous coupés. And dropping their blood on it. Et ils ont versé leur sang. Dropping their blood on ils versaient it. Leur sang. So after they've all finished, après avoir fini, it was his turn. C'était son tour. He brought out his mantle. Il a fait sortir son manteau. And hit the pot. Et il a frappé les bassines. And he caught fire. Et cette bassine a pris Before feu. You know it, avant qu'on ne sache, the devil caught fire. Même tous ont pris feu. Got with fire. Tout a pris feu and dans they la salle. Began to run. Et ils ont commencé à courir. Hear me, my beloved. Écoutez-moi, bien-aimé. The power of darkness, la puissance des ténèbres. The highest occultic power, même la puissance la plus élevée des ténèbres. To you. Est sujette à vous. If you know your God, si vous connaissez votre if Dieu, you know the power of God in si you, vous connaissez la puissance de Dieu à l'œuvre en vous, si vous êtes véritablement porteur de lumière, power, la puissance la plus élevée dans le monde occulte est sujette à vous. I don't care whatever form, je ne sais pas quelle est la forme, whatever nature, quelle est la nature they you, qu'ils ont essayé de vous tromper. By the power of light, par la puissance de la lumière, they will go on their knee for you. Tous fléchiront devant vous. Au nom puissant de Jésus. In the mighty name of Jesus. So beloved, hear me. Donc bien-aimé, écoutez-moi. You can't belong to them. Vous ne pouvez pas faire partie d'eux. And dominate them. Et les dominer. For you to be distinguished. Pour que vous soyez distingués. You must operate in another dimension. Vous devez opérer dans une autre dimension. You can't die with the devil. Vous ne pouvez pas dîner avec le diable. And still be a lord over the devil. Et être seigneur sur le diable. So if you want your light to shine. Et si vous voulez que votre lumière luise. If you want to be meaningful to your generation. Vous voulez avoir de l'importance dans votre génération. Come out of them. Sortez du milieu d'eux. When light shine forth, et lorsque la lumière luit, prisons scattered, les princes des ténèbres se dispersent. There is no amount of prison, il n'y a aucun nombre de personnes that can hold your destiny in prison, qui peuvent retenir votre destinée en prison. There is no amount of prison that can hold your destiny back. Il n'y a aucune prison qui puisse retenir votre destinée en captivité. When you are walking in the light, lorsque vous marchez dans la lumière. When you are walking in the light, lorsque vous marchez dans la lumière, no amount of prison, aucune prison can hold you bound, ne peut vous retenir captif. Any destiny held bound in any prison now, et toute destinée captive dans une prison par. As you are hearing my voice, en écoutant ma voix, your spirit man is hearing my voice in that prison yard. Dans cette prison là-bas, votre homme intérieur écoute ma voix. Because I speak with the power of light. Et parce que je parle par la puissance de la lumière. I call your destiny out. Je demande à votre destinée de sortir maintenant. I call your business out. Je fais sortir vos affaires maintenant. I call your career out. Je fais sortir votre carrière. I call your children out. Et je fais sortir vos enfants. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. No matter the challenges you are facing. Peu importe les défis auxquels vous êtes confrontés. By the power of light. Par la puissance de la lumière. You are coming out triumphant. Vous sortez de façon triomphante. Acts chapter 12. Acts chapitre 12. Read from verse 5 to 10. À partir du verset 5 à 10. 5 to 11. De 5 à 11. Acte 12, 5 to 11. Acte 12, 5 à 11. He said Peter was kept in the prison. Pierre était gardé en prison. He was kept in the prison. On l'a gardé en prison. But the church was praying. Mais l'église priait. And he said that night. Et on dit cette nuit. That is the night that precedes to the day he will be killed. La nuit qui précédait celle où il devait être exécuté. This is where we are missing it. C'est là où nous passons souvent à côté. Oh God, where were you when I was thrown inside the prison? Oh Dieu, où étais-tu lorsqu'on m'a jeté d'abord en prison? That prison will not see your end. Cette prison ne verra pas votre fin. I said that prison will not see your end. Je dis cette prison ne verra pas votre fin. God was just silence. Dieu était silencieux. They picked Peter. Ils ont pris Pierre. They put him in the prison. Je tiens en prison.
God was silent. Dieu était silencieux. They were doing everything. Ils ont tout fait. God was silent. Dieu était silencieux. Until his execution date was fixed. Jusqu'à ce que le jour d'exécution ait été décidé. In the prison. Il était toujours en prison. God was silent. Dieu était toujours silencieux. Until they say it is tomorrow. Jusqu'à ce qu'on ait même dit ce sera God demain. Was still silent. Dieu était toujours silencieux. The night before the murder came. Et la nuit qui précédait ce jour où on devait the l'exécuter. Night before the murder came. La nuit avant ce jour même. And the angel stepped in. Un ange est descendu. And woke him. Et entré en œuvre. All the chains fell off. Et toutes les chaînes sont tombées. All the doors opened on their toutes own. Les portes sont ouvertes de leur propre accord. The first door opened on its own. Les portes sont ouvertes d'elles-mêmes. Second door opened on its own. Les portes sont ouvertes d'elles-mêmes. The iron door opened on its les own. Portes de fer se sont ouvertes d'elles-mêmes. And the angel said to Peter, et l'ange a dit à Pierre, you can go now. Tu peux partir maintenant. And Peter said, ah, et Pierre a dit, moi, I thought I was dreaming. Je pensais que je rêvais. Now I know. Maintenant je sais. By the powerful hand of God's angel, que par la main puissante de l'ange de he Dieu. Has rescued me out of the hand of Herod. Il m'a secouru de la main d'Hérode. And the Jews that wished me dead. Et tous sont morts. I don't know how many years you have spent in that captivity. Je ne sais pas combien d'années tu as passé dans cette captivité. They don't know how long they have held you hostage. Je ne sais pas depuis combien de temps ils vous retiennent en otage. They have kept you on a cycle race. Ils vous ont gardé dans une vie en rond. You see yourself, you are laboring. Vous travaillez. But you cannot see what you are laboring. Mais vous ne voyez même pas pourquoi vous travaillez. Because they held you hostage. Parce qu'ils vous retiennent en otage. In the name of Jesus the Christ, au nom de Jésus-Christ, I command that prison scatter. J'ordonne à cette prison d'être détruite. Que cette prison soit détruite. I release fire on that prison. Je libère le feu maintenant. I release fire on that prison. Je libère le feu sur cette prison. I call your destiny out. Je fais sortir votre destinée. I call your destiny out. Je demande à votre destinée de I sortir. Call your glory out. Votre gloire sort maintenant. Jesus. Dans le nom de Jésus. If you read from verse 1 of Acts chapter 12, quand vous lisez à partir du verset 1 de Actes chapitre 12, you will discover Herod took James. Vous découvrez que Hérode a pris Jacques. He killed James. Il a tué Jacques. Before he now proceed to Peter. Avant de continuer en prenant Pierre aussi. Now, what am I trying to tell you? Qu'est-ce que j'essaie de vous dire? Whatever may have killed anyone in your family, peu importe ce qui a gardé un membre de votre famille, but as for you, mais pour vous, you are unkillable. Vous êtes intuable. I say you are unkillable. On ne peut pas vous tuer. He may have killed James. Ils ont pu tuer Jacques. But he could not kill Peter. Mais ça ne tuera pas Pierre. He may have killed James. Ils ont pu tuer Jacques. But he couldn't kill Peter. Mais ils n'ont pas pu tuer Pierre. I am not James. Je ne suis pas Jacques. I am Peter. Je suis Pierre. Say I am unkillable. Dites, je ne suis pas tueur. Say I am unkillable. Dites, je ne peux pas être tué. Say no prison can hold my destiny. Dites, aucune prison ne peut retenir ma destinée. No prison can hold my destiny again. Oh, plus aucune prison ne peut retenir ma destinée. You can kill James. Vous pouvez tuer Jacques. I am not James. Je ne suis pas Jacques. And that is why we are always praying here, sir. Et c'est pourquoi nous prions toujours ici. I've always told you, je vous ai toujours dit. Life is not a fun fair. La vie, ce n'est pas un jeu. Life is a warfare. La vie, c'est un combat. When he picked James, lorsqu'ils ont pris Jacques, they say, what will be, will be. Ce qui va arriver arrivera. What will be, will not be. Ce qui doit arriver, ce n'est pas ce qui va arriver. What you permitted to be, that will be. Avant que ce qui doit arriver arrive, they were silenced. Ils étaient tous silencieux. What will be, will be. Ce qui arrivera arrivera. The Herod killed him. Alors ils ont tué Jacques. Because they say, what will be, will be. Parce qu'ils ont dit ce qui doit arriver arrivera. Remember, they picked Peter again. Et lorsqu'ils ont pris Pierre, they say, no. Ils ont dit non. What will be, will not be. Ce qui doit arriver n'arrivera pas. It is what will permit to be. Ça ne doit pas arriver. They raise up a prayer altar. Ils se sont levés sur l'autel de la prière. Things are not working for you. Les choses ne marchent pas pour vous. You are only for prayer. Mais vous éloignez de la prière. You are the architect of your problem. Vous êtes l'architecte de vos problèmes. Things are not working for you. Les choses ne marchent pas pour vous. You say because of rain, that's why I cannot go to church. À cause de la pluie, je ne peux pas aller à l'église. You are the architect of your problems. Vous êtes l'architecte de vos problèmes. Sir, messieurs, nobody told them again to pray. Plus personne ne leur a dit de prier. Hein. They began to pray. Ils ont commencé à prier. And the angel stepped in. Et l'ange est entré. He didn't end there.
Ça ne s'est pas arrêté là. Because arrow of death has already been released. Parce qu'en fait, la flèche de mort avait déjà été libérée. Somebody must die the dead. Quelqu'un doit mourir. So the angel of death was still reviling. Et donc, l'ange de la mort était toujours en train de tourner. The church stopped him. L'église l'a arrêté. Said, you cannot kill Peter. Tu ne peux pas tuer Pierre. The angel was still roaring around. Mais l'ange de la mort était toujours à l'œuvre. Il tournait toujours. The angel went back to the sender. Et là, l'ange est reparti à l'envoyeur. And stood by Herod. Et il s'est tenu à côté d'Hérode. You send me for a mission. Tu m'as envoyé en mission. I could not penetrate. Je n'ai pas pu arriver là-bas. So what do I do now? Maintenant, qu'est-ce que je fais? He stood by Herod. Et là, il s'est tenu à côté d'Hérode. Herod, I'm here. Mais Hérode, je suis là. And that day, et ce jour-là, Herod began to speak. Hérode a commencé à parler. Ah, this is the voice of God. On a dit, voici la voix de Dieu. This is the voice of God. Voici la voix de Dieu. Head grow wide. Et là, la tête d'Hérode a grossi. The angel said, I'll be waiting. Et l'ange a dit, moi j'attendais. You are the one that sent me an errand. C'est toi qui m'as envoyé. Now you are taking the glory of maintenant, God. Tu prends la gloire de Dieu. Bam. Il a frappé. Hit on the Herod. Et là, il a frappé Hérode. Whoever sent arrow of death to you. Quiconque a lancé une flèche de mort contre Operation vous. Back to sender. Opération retour à l'envoyeur. Whoever sent arrow of destruction to you. Quiconque a tiré une flèche de destruction en votre direction. Opération retour à l'envoyeur. Any hero that is after your destruction. Quiconque représente Hérode et qui veut votre destruction. The destruction is back to them now. La destruction retombe sur leur tête maintenant. Au nom puissant de Jésus. In the mighty name of Jesus. When Christ, the light, was in the world, lorsque of the world, Christ, la lumière, était dans le monde. When he walked here, lorsqu'il marchait sur terre, the power of darkness could not stand him in any way. Les puissants des ténèbres n'ont pas pu lui résister. The power of darkness could not resist him in any way. Les puissants des ténèbres n'ont pas pu lui résister. Luke chapter 4 verse 3. Luc chapitre 4. Satan said, "We know you. If verset you are the son of God, si tu es le fils de Dieu. If you are the son of God, si tu es le fils de Dieu." Now in Luke chapter 8. Dans Luc chapitre 8. Verse 28. Verset 58. He said, "When he saw Jesus." Lorsqu'il a vu Jésus. He cried out. Il a crié. And fell before him. Et il est tombé devant lui. And with a loud voice. Et avec une voix. What have I to do with for, thee? Qu'y a-t-il entre moi et toi? Jesus, thou Son of God Most High. Jésus, Fils du Dieu très haut. I beseech thee. Je t'en supplie. Torment us not. Ne me tourmente pas. When Jesus was on earth. Lorsque Jésus était sur terre. The darkness seemed him to bow. Les ténèbres l'ont vu et fléchissaient. And that is who we are today. Et c'est qui nous sommes aujourd'hui. From today. À partir d'aujourd'hui. Wherever darkness sees you. Lorsque les ténèbres vous verront. They will bow. Les ténèbres fléchiront. They will bow. Ils fléchiront. They will bow. Ils fléchiront. I've shared my testimony with you. Je vous ai déjà partagé mon témoignage. When they thought they want to come and kill me by the riverside. Lorsqu'ils ont planifié me tuer au bord de la rivière. And they began to do their own manipulation. Ils ont commencé leur manipulation. With my picture with them. Avec ma photo. With my picture with them. Ils avaient ma photo. And they expecting when they use the picture, then my image will come up. Et ils pensaient qu'en utilisant moi ma photo, mon image devait paraître. But where they were expecting my image to come. Mais lorsqu'ils s'attendaient à ce que mon image paraisse. The image of Jesus appeared. C'est l'image de Jésus qui apparut. From today, à partir d'aujourd'hui, anywhere they call your name, là où ils invoqueront votre nom, the name of Jesus will appear. Le nom de Jésus apparaîtra. From today, à partir d'aujourd'hui, anywhere they summon you, là où ils vous invoqueront, Jesus will appear. Jésus paraîtra. The name of the Lord, le nom du Seigneur, is a strong tower, est une tour forte. The righteous run into it, le court, le juste y accourt. And they are safe. Et ils s'y sont en sécurité. Why should I be afraid? Pourquoi est-ce que je devrais avoir peur? Somebody want to go and cut my image on Facebook. Quelqu'un veut aller prendre mon image sur Facebook. He is cutting the image of Jesus. En réalité, il prend la photo de Jésus. So access to light. Donc l'accès à la lumière. Is the only way to be set free. C'est le seul moyen d'être libéré. From the assault of the power of darkness. Des attaques de puissance des ténèbres. Accept to light. L'accès à la lumière. John chapter 4. Matthieu chapter 4. Matthieu chapitre 4. From verse 1 to 11. Du verset 1 à 11. Jesus. Jésus.
was led by the Spirit fut emmené par l'Esprit into the wilderness dans le désert to be tempted of the devil. Pour être tenté par le diable. After he had fasted for 40 days and 40 nights. Après avoir jeûné 40 jours, 40 nuits. So there is a place for prayer. Il y a la place de la prière. There is a place for fasting. Il y a la place du jeûne. But there is a place for the word. Mais il y a aussi la place de la parole. Here people will tell me, pastor. Et les gens disent souvent, pasteur. After I fasted. J'ai jeûné. The temptation came on me hardly again. Et la tentation était encore plus forte. There is a place for fasting. Il y a la place pour le jeûne. And there is a place for declaring. Il y a la place pour la déclaration. Are you holier than Jesus? Êtes-vous plus saint que Jésus? After fasting for 40 days and 40 nights. Après avoir jeûné 40 jours, 40 nuits. That's when the devil now appeared. C'est là où même le diable est apparu. But at this instance. Mais à ce moment-là. Jesus dismantled him. Jésus l'a, by declaring the word, l'a désarmé en déclarant la parole. It is written. Il est écrit. It is written. Il est écrit. It is written. Il est écrit. By it is written. En disant il est écrit. He rendered the devil incapacitated. Il a rendu le diable incapable. What is written is supreme. Ce qui est écrit est supérieur. So if you can lay hand on what is written, si vous pouvez avoir accès à ce qui est écrit, whatever you are going through, peu importe ce que vous traversez, contrary to what is written, contraire à ce qui est écrit, we fade out. Cela va s'évanouir. That's why Hosea 4:6 said. C'est pourquoi Hosea chapitre 4:6 dit. My people perish for lack of what? Mon peuple périt parce que lui manque la connaissance. Who are my people? They are Christians. Qui sont le peuple là? They les chrétiens. S'ils sont nés de nouveau. They are prayer machines. Ils sont des machines de prière. But they only pray. Mais ils prient seulement. They don't know the word. Mais ils ne connaissent pas la parole. The word is the light. La parole est la lumière. Jesus fasted for 40 days and 40 nights. Jésus a jeûné 40 jours, 40 nuits. Satan came. Satan est venu. So if was come get away, Jesus said, get out. Jésus n'a pas dit sort. Non. So it is written is what we walk. Il est écrit, c'est ce qui va marcher. It is written. Il est écrit. Because what is written, parce que ce qui est écrit, heaven and earth shall pass away. Le ciel et la terre passeront, my word shall not pass mais away. Ma parole ne passera jamais. What is written, ce qui est écrit is superior est supérieur to what is happening. À ce qui est en train de se if produire. What is happening, et ce qui se produit au moment written, il n'est pas écrit, it must fade away. Cela doit s'évanouir. Whatever affliction that follow you here, peu importe l'affliction qui vous a suivi ici, it is written, il est écrit that upon Mount Zion, que sur la montagne de Sion, there shall be deliverance. Il y aura la délivrance. Whatever may have tied your business, peu importe ce qui a accablé vos affaires, tied your career, attaché votre carrière, it is written, il est écrit upon Mount Zion, sur la montagne de Sion, there shall be deliverance. Il y aura la délivrance. Whatever load Satan has put on you. Et peu importe la charge que Satan vous a imposée. Migraine headache. La migraine. Cancer. Le cancer. Whatever name the devil call it. Quel que soit le nom de cette affliction. Whatever affliction you carry to this place. Peu importe l'affliction avec laquelle vous êtes venu ici. It is written. Il est écrit. Come unto me. Venez à moi. All ye that labor. Vous tous qui êtes fatigués. And heavy laden. Et êtes chargés. I will give you. Et je vous donnerai le repos. I will give you. Je vous donnerai le repos. Concernant affliction, I will give you. Concernant cette affliction, je vous donnerai le repos. Concerning that terminal diseases, concernant cette maladie incurable, je vous donnerai le repos. Concerning that curse that will have place on you, concernant cette malédiction qui vous a été imposée, il est écrit, je vous donnerai le repos. So I will give you rest. Il dit, je vous donnerai le repos. Take my yoke. Prenez sur vous mon joug. And give me your own. Et donnez-moi votre joug. Somebody say Jesus. Quelqu'un va dire Jésus. I take your yoke. Je prends ton joug. I give you my own. Je te donne mon joug. Say it, let him hear you. Dites-le qu'il entende ça. He said, take my yoke. Il a dit prenez mon joug. Jesus. Jésus. I take your yoke. Je prends ton joug. Please take my yoke. S'il te plaît prends mon joug. I hand over my yoke to je you. Te donne mon joug. I hand over my body je to you. Fardeau. I hand over sickness to you. Je te donne cette maladie. Take my yoke, Jesus. Prends mon joug, Jésus. Take my yoke, Jesus. Porte mon joug, Jésus. Take my yoke, Jesus. Porte mon joug, Jésus. As I give you, as I take your own. Je prends ton joug. Yes. Somebody is free. Quelqu'un est libre. Somebody is free. Quelqu'un libre. Somebody is free. Quelqu'un libre. Somebody is free. Quelqu'un libre. For upon Mount Zion.
Sur la montagne de Sion, there shall be deliverance. Il y aura la délivrance. Upon Mount Zion, sur la montagne de Sion, there shall be deliverance. Il y aura la délivrance. The power of deliverance is moving la now. Puissante délivrance est à l'œuvre maintenant. Elle 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 est à l'œuvre maintenant. There is a place to fast. Il y a la place du jeûne. There is a place to pray. Il y a la place de la prière. There is a place to declare. Il y a la place pour déclarer. So whatever you bind on earth, et tout ce que vous lirez sur terre is bound in heaven. Est lié dans les cieux. Whatever you lose on earth, tout ce que vous déliez sur terre is lost in heaven. Est délié dans les cieux. Every devil, tout démon, following your destiny, qui est après votre destinée, I bind them in the name of Jesus. Je les lis dans le nom de Jésus. Wherever your destiny is tied, et là où votre destinée est attachée, I lose your destiny in the name of Jesus. Je la détache dans le nom de Jésus. Because the entrance of God's word, parce que la pénétration, l'entrée de la parole de Dieu, is what gives light. C'est la révélation qui donne l'intelligence. And walking in the light, et marcher dans la lumière, is what confers dominion. C'est ce qui confère la domination. The entrance, la révélation, of God's word, de la parole de Dieu, is what gives light. C'est ce qui donne la lumière. Walking in the light, et marcher dans la lumière, is what confers dominion. C'est ce qui confère la domination. I discovered Jesus at the age of 12. J'ai découvert que Jésus à l'âge de 12 ans. His wisdom was unmatchable. Sa sagesse était incomparable. That he was asking questions. Au point qu'il posait des questions. Listening to doctors and asking them questions. Écoutant les docteurs et même des docteurs de la loi. And they marveled. Et ils étaient étonnés. The type of wisdom that was at work with him. Ce type de sagesse qui était à l'œuvre en Jésus. And Jesus said. Et Jésus a dit. We are brethren. Nous sommes frères. So if we are brethren, et si nous sommes frères, that same DNA, ce même gène-là, that runs in Jesus, ce même ADN en Jésus, with super wisdom, la sagesse surnaturelle, it runs in me. Et aussi en moi. So I say, what can, how can I fail? Comment est-ce que je peux donc échouer? So I say, I can never fail. Non, je ne peux jamais échouer. Then I discover, et j'ai découvert, Jesus said, Jésus a dit, my father work it too. Mon père travaille, so I work. Moi aussi je travaille. That means I must work too. Ça veut dire que je dois travailler aussi. So it will amount to abuse of the word. Ce sera donc un abus de la parole. For me to start saying, pour que je commence à dire, Jesus never failed. Jésus n'a jamais échoué. I cannot fail. Je ne peux jamais échouer. It's not complete. Ce n'est pas total. Jesus said, my father work. Jésus a dit, mon père a travaillé. I work. Je travaille. So I have to work. Moi aussi, je dois travailler. So you see the power of light. Donc, c'est ça la puissance de la lumière. Connecting scriptures to scriptures. Connectant les écritures avec d'autres. They command the dominion in life. Et qui confère la domination dans la vie. Somebody is coming out of darkness now. Quelqu'un sort des ténèbres. John, Psalm 119, verse 130. Psalm 119, verset 130. C'est the entrance of thy word. La révélation de tes paroles. It gives light. Éclaire. And it gives understanding. Et donne de l'intelligence. Under the simple. Au simple. That's Psalm 119. C'est Psalm 119. If you read from verse 90 to 100. Si vous voulez du verset 90 à 100. Hear what David said. Voici ce que David a dit. Psalm 119. Psalm 119. Verse 90. Verse 90. 97 to 100. De verset 97 à 100. Psalm 119, verse 97. Psalm 119, 97. To 100. À 100. He said, how love are thy law? That's talking about word of God. Combien j'aime ta loi, savoir la parole it de Dieu. It is my meditation all day. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Move on. He said, thou through thy commandments, tes commandements, have made me wiser than my enemies. Me rend plus sage que mes ennemis. Because they are ever with me. Car je les ai toujours avec moi. If you think the enemies will not see you again, you are lying. Et si vous pensez que l'ennemi ne vous observe pas, vous mentez. But because they will always be there. Parce qu'ils seront toujours là. But through the commandment of God, mais à travers les commandements de Dieu, you will always outsmart them. Nous allons toujours être plus intelligents que. You will always be wiser than them. Nous serons plus sages que. He said, I have more understanding than the teacher.
teachers. Il y a des gens qui sont plus instruits que mes maîtres, que les anciens. Because I meditate your testimonies. Parce que je médite sur ta parole. I have understanding of the ancients. J'ai la compréhension des anciens. Because I meditate your testimonies. Parce que je médite sur tes témoignages. As an undergraduate. As an undergraduate university. Lorsque j'étais à l'université, I study international relations. J'ai étudié les relations internationales. So we do more of reading. Donc il y a beaucoup plus de lecture. Don't ask me equation times equation. Take me out of that side. Donc enlevez-moi des mathématiques fois là. So by the help of the Holy Ghost. Avec l'aide du Saint-Esprit. There are some lecturers I discover I am far ahead of them. Il y a des professeurs lorsqu'ils venaient, j'ai découvert que j'étais plus élevé qu'eux en termes d'intelligence. They are very lazy. Très paresseux ils étaient. They would just come and play in class and go. Ils venaient jouer en classe. When I will ask them one question. Et lorsque je leur posais une question. They will say, okay, assignment. Ils ont dit voilà, devoir. They say class, that is assignment. Ils vont dire maintenant ça devient le devoir. Everybody go and do that as assignment. Allez-y maintenant faire le devoir. And submit in my next class. Et le prochain cours venez soumettre ce devoir. Hallelujah. Amen. Where do I get it from? Où est-ce que j'ai obtenu ça? Because I meditate God's word. Parce que je médite la parole de Dieu. I've said it to you here. Je vous ai dit ici. I go to class in the night to study. Moi j'allais en classe la nuit pour étudier. And I go with my Bible. Et j'allais avec ma Bible. I will put the Bible down. La Bible sera là. I'll put my books down. Mes livres seront là. I'll open my Bible. J'ouvre ma Bible. As the Holy Spirit, je dis Saint-Esprit. I lay foundation of my study tonight. Je pose la fondation de mon étude ce soir. By your word. Par ta parole. After reading the scripture, après avoir lu les Écritures, I take a chapter, un chapitre, then I'll close the scripture. Et je ferme la Bible. I'll study my books. Et là, j'étudie mes livres. After studying my books for après the avoir night, étudié mes livres la nuit, 3 hours, parfois 3 heures, 4 heures de temps, then I will come back to the Bible again. Et là, je repars lire la Bible. Take another chapter. Prendre un autre chapitre. As the Holy Spirit, et je dis Saint-Esprit, all what I have studied, tout ce que j'ai étudié, I seal it again, je scelle ça by the word, par la parole. None will leave me. Et aucune parole ne m'échappera. Sir, I didn't graduate with a good result because I was good. Je n'ai pas eu de bons résultats parce que j'étais bon. Because I graduated with a good result because the Holy Spirit can never fail. J'ai été diplômé avec de bons résultats parce que le Saint-Esprit ne peut jamais échouer. Because I know more than my ancients. Parce que je connais plus que les anciens. Hallelujah! Amen. So, the Holy Spirit doesn't only empower us. Donc le Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous revêt pas seulement de puissance pour une vie de triomphe, mais aussi illuminate us. Il nous illumine to stay free from all assault of the power of darkness. Afin d'être libre de toute attaque de puissance de ténèbres. Illuminate us. Il nous conduit to stay free. Il nous permet d'être libre all assaults de tous les assauts of the power of darkness. De puissance de ténèbres. Luke chapter 10, Luke chapitre 10, verse 17 to 19, verset 17 à 19. I love this scripture so powerfully. J'aime beaucoup cette écriture. And the 70 returned again with joy. Les 70 revinrent avec joie. Yesterday, hier, even while it was raining, même quand il pleuvait, I told my team, j'ai dit à mon équipe, we must go out for outreach today. On doit aller évangéliser aujourd'hui. Because you must learn to operate with the light of the word. Parce que vous devez apprendre à opérer avec la lumière de la parole. The 70, they didn't finish maybe after sleeping the night, wake up with power. Les 70 ne sont pas levés un matin avec la puissance. Maybe after going for their private business. No, they returned from the gospel. C'est pas après courir après leurs affaires qu'ils sont revenus when la puissance. Returned, mais lorsqu'ils sont revenus de l'évangélisation, ils sont revenus après avoir prêché l'évangile. They returned with the rejoicing. Ils revinrent avec joie. They said, Lord, et ils ont dit, Seigneur, even the devil, même le diable, the devils were subject unto us, et même les démons nous sont soumis through thy name, en ton nom. And he said unto them, et il leur a dit, behold, I beheld Satan, je voyais Satan as lightning fell from heaven, tomber du ciel comme un éclair. Now hear the glory now. Écoutez la gloire maintenant. Verse 19. Verset 19. Behold, voici, I give unto you power, je vous ai donné le pouvoir, to tread on serpent and scorpion, de marcher sur les serpents, and over all the power of the enemy, et les scorpions c'est toute puissance de l'ennemi. Nothing shall by enemies hurt you. Et rien ne pourra vous nuire. Somebody say amen. Quelqu'un dit amen. From today, à partir d'aujourd'hui, when they set trap against you, lorsqu'ils poseront des pièges contre vous, make no effect against you. Et eux-mêmes tomberont dans ces pièges. When they set wickedness against you, lorsqu'ils préparent des coups de méchanceté contre vous, no, cela ne marchera pas contre in vous. The name of
Dans le nom de Jésus. Whatever they fire to destroy you, peu importe ce qu'ils ont tiré pour vous détruire. I am atoning for their own destruction. Cela, je renvoie cela pour leur propre destruction. Whoever is after your job, quiconque en est après votre travail, I take away their whole job. Aujourd'hui, j'enlève leur travail. A sister came to the office. Une sœur est venue au bureau. He said anything she does, they just hate her. Elle, tout ce qu'elle fait, on la déteste. They just hate her. On la hait. Somebody, on la hait. Somebody's against her. Quelqu'un est contre elle. And we prayed. Et nous avons prié. And I told her go. Je lui ai dit va. Anointed her. I anointed her. Je l'ai oint. As long as you are doing the right thing. En faisant ce qui est juste. Don't go and be doing wrong thing. Ne va pas faire ce qui est mauvais. Et puis dit pasteur, on me fait toujours du mal. Because the scripture cannot be broken. Les écritures ne peuvent pas être anéanties. God will not manipulate this word for you. Dieu ne va pas manipuler sa parole à cause de vous. He said yes, pastor, I don't do anything wrong. Elle a dit oui, pasteur, je ne fais rien de mauvais. J'ai dit ok, c'est bon, vas-y. I think was it on Friday, just 3 days ago. She je pense came back. 3 jours où elle est venue me dire. He said the person who was against her. La personne qui était contre elle. Was actually caught now. En fait, a été arrêtée. And has been sent out of the office. Et la personne a été renvoyée de l'eau du bureau. Hear me, everyone, I said. Écoutez-moi, vous tous à l'écoute de ma voix. Quiconque utilise les puissances des ténèbres pour manipuler votre gloire, I withdraw their power. Je retire leur puissance. I withdraw their power. J'anéantis leur puissance. I withdraw their power. J'anéantis leur puissance. In the name of Jesus Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Any power. Toute puissance. After your promotion. Qui en a après votre promotion. I withdraw their wisdom. J'ordonne que leur puissance I soit détruite. Je retire leur sagesse. I withdraw their wisdom. J'annule leur sagesse. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Thank you, Lord. Merci Seigneur. Thank you, Father. Merci Père. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus Christ. The Holy Spirit. Le Saint Esprit. Empower us to remain steadfast in serving God. Nous revêt de puissance pour demeurer ferme dans le service à Dieu. Empower us to remain steadfast in serving God. Il nous revêt de puissance pour demeurer ferme dans le service à Dieu. Ah, say it over and again. Je le dis encore. If you know what you did, si vous savez que ce que vous avez fait for the Lord, pour le Seigneur, that brought you to where you are, et qui vous a emmené là où vous êtes aujourd'hui, don't stop it. N'arrêtez pas de le faire. Sometimes, parfois, we feel we have outgrown the services we are serving God. Nous pensons que nous avons suffisamment servi Dieu. That is a spirit of pride. Ça c'est l'esprit d'orgueil. So for you to see yourself, what you have. What you were doing 10 years ago. Donc ce que vous faisiez il y a 10 ans. That brought you to where you are now. Qui vous a emmené là où vous êtes aujourd'hui. To still continue in it. Continuez à le faire. You need the Holy Spirit. Et pour continuer à le faire, vous avez besoin du Saint-Esprit. You need the engagement of the Holy Spirit. Vous avez besoin du revêtement de puissance de l'Esprit. 1 Corinthiens 15, 58. 1 Corinthiens 15, 58. Therefore, my beloved, bien-aimé, be steadfast. Soyez ferme, unmovable, inébranlable, always abiding in the works of the Lord, or the word of the Lord. Travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. For as much as you know, sachant que votre that your labor is not in vain in the Lord. Votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. You will not labor in vain. Vous n'allez pas travailler en vain. In Jesus' name. Au nom de Jésus. As I round up the teaching this morning, en concluant l'enseignement ce matin, let's look at how to assess the light. Comment accéder à la lumière? That rescue from the power of darkness. Qui nous secourt des puissances des ténèbres. Since it is light that rescue us from the power of darkness. Parce que c'est la lumière qui nous secourt des puissances des ténèbres. How do I assess it? Comment est-ce que j'accède à la lumière? Number one. Premièrement, you must be born again. Vous devez être né de nouveau. And remain so. Et le demeurer. Be born again. Naissez de nouveau. And remain so. Et demeurer. Ephesians chapter 2 verse 6. Ephésiens chapitre 2 le verset 6. He said he has raised us together. Il nous a ressuscités ensemble. And made us to sit together in heavenly places. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. In Christ Jesus. En Jésus-Christ. Colossiens 1:13. Who has delivered us from the power of darkness? Et qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres? And has translated us. Et nous a transportés into the kingdom of his dear son. Dans le royaume du fils de son amour. Be born again. Naissez de nouveau. And remain so. Et demeurez né de nouveau. Number two. Numéro 2. Embrace the fear of the Lord as a lifestyle. Embrasser la crainte du Seigneur comme style de vie. Embrace the fear of the Lord. Embrasser la crainte du Seigneur as a lifestyle. Comme style de vie. With this. Et avec cela. You will sustain access to revelation. Vous allez soutenir l'accès à la révélation. Embrace
Embrace the fear of the Lord. Célébrez la crainte du Seigneur. As a lifestyle. Et faites de ça un style de vie. Never you think you have arrived. Ne jamais penser que vous êtes arrivé. Never you think you have outgrown the help of God. Ne jamais penser que vous n'avez plus besoin de l'aide de Dieu. Never you think where you are now you don't need the aid of God, the assistance of God. Ne pensez pas que là où vous êtes aujourd'hui vous n'avez plus besoin de l'assistance de Dieu. So keep enjoying the assistance of God. Et pour continuer à jouir de l'assistance de Dieu. Keep fearing God. Continuez à craindre Dieu. The fear of the Lord means loving God. La crainte du Seigneur, c'est aimer Dieu. Like as we saw in the case of Joseph. On l'a vu dans le cas de Joseph. Nothing will ever make you to compromise. Rien ne poussait Joseph à compromettre. In his father's house. Dans la maison de son père. He maintained integrity. Il a maintenu l'intégrité. For the Lord. Pour le Seigneur. In Potiphar's house. Dans la maison de Potiphar. He maintained integrity. Il a maintenu l'intégrité. For the Lord. Pour le Seigneur. In prison. En prison. He maintained it. Il a maintenu l'intégrité. For the Lord. Pour le Seigneur. Even in palace. Même dans le palace. He told his brethren. Il a dit à ses frères. I fear God. Je crains Dieu. I fear God. Je crains Dieu. I fear God. Je crains Dieu. He never said I have reached my peak. Il n'a jamais dit je suis arrivé au sommet. Because if you think you have reached your peak, parce que si vous pensez avoir atteint le sommet, for you to remain at that peak, et pour que vous demeuriez au sommet, you need God. Vous avez besoin de Dieu. Psalm 25 verse 14. Le psaume 25, 14. The secret of the Lord is with them that fear him. Le secret de l'Éternel avec ceux qui le craignent. He will show them his covenant. Et l'alliance leur donne instruction. Hallelujah. Amen. We must continue to pray for access to revelation. Nous devons continuer à prier pour l'accès à la révélation. On every subject of interest. Sur tous les sujets qui nous intéressent. Whichever area you need assistance from God. Ce domaine où vous avez besoin de l'assistance de Dieu. Always pray to ask God, open my eyes. Priez de sorte que Dieu ouvre vos yeux. What do I do? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? I just submitted quotation to this company. Je viens de donner. I submitted a proposal. Ma proforma Lord, à la what compagnie. Do I do? J'ai déjà soumis mon. I know there are so many competitors. Mon CV. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il y a plusieurs compétiteurs. Je ne suis pas la seule personne dans la compétition. We are 10 competing. For this nous sommes 10 à compétir pour ce contrat. Lord, what will I do? Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? So put me above others. Pour que je sois au-dessus des autres. Light. La lumière. Light. La lumière. Light. La lumière. Because he said he will show you his secrets. Parce qu'il a dit il vous montrera ses secrets. Psalm 119 verse 18. Psalm 119 verset 18. Open down my eye. Ouvre mes yeux. That I may behold. Afin que je contemple. Les merveilles de ta loi. Jeremiah 33 verse 3. Jérémie 33 3. Say, call unto me. Il a dit invoque-moi. And I will answer you. Je te répondrai. And show you great and mighty things. Je t'annoncerai de grandes choses. Without knowing it. Des choses cachées que tu ne connais pas. We must continue to engage the ministry of the Holy Spirit. Nous devons continuer à engager le ministère du Saint-Esprit. To access revelation from the Scripture. Pour accéder à la révélation des Écritures. Engage the ministry of the Holy Spirit. Engagez le ministère du Saint-Esprit. To access revelation from the Scripture. Accéder à la révélation des Écritures. 2 Timothée 2:15. 2 Timothée 2:15. Study to show thyself approved. Étudie afin que vous soyez approuvé. Unto God. À Dieu. A workman that needed not to be ashamed. Un homme qui n'a point honte. But rightly divided the word of truth. Mais qui, avec justice, divise la parole de Dieu. Number 5. Numéro 5. We must stay in love with God. Nous devons demeurer amoureux de Dieu. To retain access to light from the world. Pour retenir l'accès à la lumière de la parole. We must stay in love with God. Nous devons demeurer amoureux de Dieu. Don't compromise your love for God. Ne vous compromettez pas dans votre amour pour Dieu. Make God the priority of your living. Que Dieu soit la priorité de votre vie. 1 Corinthiens chapitre 2 verse 9 and 10. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9 à 10. As it is written. Il est écrit. Eyes have not seen. Les yeux n'ont point vu. Ears have not heard. L'oreille n'a point entendu. Neither has it entered the heart of man. Et ce n'est point monté au cœur de l'homme. The thing God has prepared for them that love him. Les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. But it has been revealed to us by the Holy Spirit. Mais ces choses ont été révélées par l'Esprit. Maintain your love for God. Maintenez votre amour pour Dieu. And lastly, et pour finir, we must maintain the joy and rejoicing. Nous devons maintenir la joie et l'allégresse in our hearts. Dans notre cœur. To sustain access to the presence of God. Pour soutenir l'accès à la présence de Dieu. Whatever come your way, sir. Tout ce qui. Whatever come your way, man. Tout ce à quoi vous êtes confronté. Don't allow the devil to rob you of your joy. Ne permettez pas au diable de voler votre joie. Keep your joy in the Lord intact. Gardez votre joie dans le Seigneur intact. Don't say, oh God, are you still there? Ne dites pas, oh Dieu, est-ce que tu es encore là? Why are you partial to me? Est-ce que tu es là? God is not behind anything that is happening to you negatively. Dieu n'est pas derrière tout ce qui est négatif et qui vous arrive. It is the reason why the devil have not choked you up. Il est la raison pour laquelle le diable ne vous a pas encore so dévoré. Rejoice in him.
Donc réjouissez-vous en lui. He will give you light to your victory. Et il vous donnera la lumière pour la victoire. Rejoice in the Lord. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Our father will say. Notre Père dit. If you have lost anything, l'évêque dit si vous avez perdu quelque chose, it is God you have not lost everything. C'est à cause de Dieu que vous n'avez pas encore tout perdu. So keep your joy in the Lord. Donc gardez votre joie dans le Don't Seigneur. Be offended in God. Ne soyez pas offensé envers If Dieu. You have lost anything, si vous avez perdu quelque chose, it is God you have not lost everything. Dieu est la raison pour laquelle vous n'avez pas tout perdu. One of the president of World Bank, un des présidents de la Banque mondiale. Lady Okonjo Iweala, some of you must have heard about her. On a entendu parler de cette femme-là certainement. She's the president of World Bank. Elle est la présidente de la Banque mondiale. Okonjo Iweala. Okonjo Iweala is her name. Okonjo Iweala, c'est son nom. So this lady, cette dame, according to her testimony, selon son témoignage, after the Nigerian Civil War, après la guerre civile au Nigeria, everything they had, tout ce qu'ils avaient, were lost. Ils ont tout perdu. So the only thing that was left for them, et la seule chose qui lui est restée, was to cut a palm tree. C'était de couper un palmier. And cut the palm tree. Couper le palmier. And use it as a chair. Et utiliser le palmier, les branches de palmier pour faire une and chaise. And use the leaf as coverage. Et utiliser les branches de palmier comme toit. And the father said to them. Et le père leur a dit. Thank God we lost everything. Gloire soit rendue à Dieu, nous avons tout perdu. But our head is intact. Mais notre tête est intacte. We can still pick again. Nous pouvons encore tous réfléchir. Somebody, I don't know where you are. Peu importe là où vous êtes maintenant. Your head is intact. Votre tête est intacte. You will pick again. Vous allez de nouveau you vous remettre. Rise again. Vous allez vous remettre. You will rise again. Vous vous lèverez à nouveau. Jump on your feet. Donnez-vous sur vos and pieds. Say, I am rising again. Et dites, je me lève à nouveau. My head is intact. Ma tête est intacte. I am rising again. Je me lève encore. My head is intact. Ma tête est intacte. My salvation is intact. Mon salut est intact. I am rising again. Je me lève à nouveau. Begin to pray. Commencez à prier. Pray for yourself. My head is intact. Ma tête est intacte. My salvation is intact. Mon salut est intact. I am rising again. Je me lève à nouveau. I am rising again. Je me lève à nouveau. I am rising again. Je me lève à nouveau. I am rising again. Je me lève à nouveau. Where I am now? Là où je suis maintenant. It's not my end. Ce n'est pas ma fin. Where I am now? Là où je suis maintenant. It's not my end. Ce n'est pas ma fin. I am rising again. Je me lève à nouveau. I am rising again. Je me lève à nouveau. I don't know the area. Je ne connais pas ce domaine. You are facing challenges. Auquel vous êtes confronté un défi. Commencez à dire. By the power of light. Par la puissance de la lumière. That come my way this morning. Que j'ai reçu ce matin. I am rising again. Je me lève à nouveau. I am rising again. Je me lève à nouveau. I am rising again. Je me lève à nouveau. I am rising again. Je me lève à nouveau. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Where I am now. Là où je suis maintenant. It's not my end. Ce n'est pas ma fin. It's not my end. Ce n'est pas ma fin. Whatever represents captivity. Tout ce qui représente la it's captivité. Ce n'est pas ma fin. I am coming out. Je sors. I am coming out. Je sors. Of every form of captivity. De toute forme de captivité. I am coming out. Je sors. I am coming out. Je sors. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. I am coming out. Je sors. Pray your way out. Priez. Pray your way out. Priez. Out of any form of captivity. Afin de sortir de toute forme de captivité, priez. Pray your way out. Priez. Out of that affliction. De cette sortir de cette affliction. Pray your way out. Priez pour sortir. Out of that frustration. De cette frustration. Pray your way out. Priez pour sortir. Out of that misfortune. De cette malchance. Pray your way out. Priez pour sortir. Out of that stagnation. De cette stagnation. Pray your way out. Priez pour sortir. Of that affliction of the devil. De cette affliction du diable. Pray your way out. Priez pour sortir. It's not my end. Ce n'est pas ma fin. I am coming out. Je sors. 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 In the name of Jesus. Au nom de Jésus. I am coming out of stagnation. Je sors de la stagnation. I am coming out of lack and want. Je sors du manque et du besoin. I am coming out of the prison of poverty. Je sors de la prison de la pauvreté. I am coming out of the prison of sickness and diseases. Je sors de la prison des maladies et infirmités. I am coming out of the prison of failure. Je sors de la prison de l'échec. I am coming out. Je sors. 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 Today. Aujourd'hui. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. The rescue power. La puissance the rescue team de sauveur from heaven. Du ciel. Is locating me. La puissance de secours même ce soir. The rescue team from heaven. Du ciel is locating me. Me localise. I am coming out. Je sors. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Thank you, Lord. Merci, Seigneur.
In Jesus' most glorious name, we are praying. Au nom glorieux de Jésus, nous avons prié. Jesus asked somebody this morning. Jésus demande à quelqu'un ce matin. If you can believe. Si vous pouvez croire. That you are coming out. Que vous sortez. You are already out now. Vous êtes déjà dehors. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus Christ. That prison of a timely death. Cette prison de mort précoce. You are out of it. Vous sortez de cette prison. That prison of destiny wastage. Cette prison de destinée gâchée. Come out. Sortez maintenant. That prison of poverty. Cette prison de pauvreté. Come out. Sortez. That prison of failure. Cette prison d'échec. Come out. Sortez. That prison of rejection. Cette prison de rejet. Come out. Sortez. Whatever represents prison. Tout ce qui représente une prison. That the devil have incarcerated your destiny. Et avec lequel le diable a accablé votre in destinée. The name that's above every other name. Par le nom qui est au-dessus de tout the autre nom. The name of Jesus Christ. Le nom de Jésus Christ. Come out. Sortez. Come out. Sortez. Come out. Sortez. Come out. Sortez. Dans le nom de Jésus. You are free. Vous êtes libre. You are free. Vous êtes libre. Except your expectation. Sauf si votre attente. The God of Shiloh have never done it before. Et que le Dieu de Shiloh n'a jamais fait ça avant. If God of Shiloh have done it before. Si le Dieu de Shiloh l'a fait déjà avant. In this pre-Shiloh encounter. Dans cette série de rencontres pre-Shiloh. He has met your need again. Il a déjà satisfait vos besoins. He has met your need again. Il a satisfait vos besoins. He has met your need again. Il a satisfait vos besoins. In the name of Jesus the Christ. Dans le nom de Jésus Christ. You are blessed. Vous êtes bénis. Before we take our seat now. Avant de nous asseoir. You are here. Vous êtes là. You have received the word. Vous avez reçu la parole. You know you are not born again. Vous savez que vous n'êtes pas né de nouveau. Or you are born again. Ou vous étiez né, vous êtes né de nouveau. But you miss it. Mais vous êtes passé à côté. You are no more in contact with Jesus. Vous n'êtes plus en contact avec Jésus. Even though you go to church. Même vous allez à l'église. But you know church is not in you. Mais vous savez que l'église n'est pas en vous. Things are not working as somebody who knows Jesus. Les choses ne marchent pas comme une personne qui connaît Jésus. I want to dedicate my life. Je veux reconsacrer ma vie. I want to surrender to Jesus. Je veux m'abandonner à Jésus. If you are that person, si vous êtes cette personne, put your right hand on your chest, mettez votre main droite sur la poitrine and lift the other one up. Et levez l'autre main. And you repeat this prayer after et faites cette prière après moi. The Lord bless you. Que Dieu vous bénisse. Put your right hand on your chest, votre main droite sur la poitrine and lift the other one up, et levez la main gauche. And repeat after me. Et répétez la prière après moi. Say, Father, dites Père, je viens à toi tel que je suis. Pardonne mes péchés. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Je déclare, je suis né de nouveau. Je suis sauvé. Lave-moi de ton sang. Aujourd'hui, je suis né de nouveau. Je suis enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus de m'avoir sauvé. Au nom de Jésus-Christ, amen. Amen. Congratulations. Félicitations. For that powerful prayer you have taken. Pour cet acte que vous avez posé. Please come over to the altar. S'il vous plaît, venez maintenant devant l'autel. I want to see the prayer. Je vais sceller la prière pour vous. Come over. Church, celebrate them as they come out. Je vais sceller la prière pour vous. Sortez, venez maintenant. Come over to the altar. Venez. Celebrate them as they are coming. Célébrez-les, ils sont en train de venir. Celebrate them as they are coming out. Célébrez-les, ils viennent. Celebrate them as they are coming out. Célébrez-les, ils viennent. Heaven is celebrating them. Le ciel les célèbre. 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 We cannot stop celebrating Jesus. Nous ne pouvons pas arrêter de célébrer Jésus. Heaven is celebrating them. Continuez à célébrer Jésus. Thank you, Jesus. Merci 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 Jésus. You are coming to join them be fast. Venez rapidement. You are coming to join them be fast. Venez rapidement. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Blessed be the name. Béni soit ton nom. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Congratulations. Félicitations. For the step you have taken now. Pour l'acte que vous posez maintenant. We took it. Nous avons posé cet acte. And our life never remained the same. Et nos vies ne sont plus jamais restées les mêmes. From today. À compter d'aujourd'hui. The grace of God. La grâce de Dieu. That is backing this commission. Qui soutient cette commission. That is backing my father. Qui soutient mon père. And that is backing my life. Et qui soutient ma vie. I decree that grace rests upon you now. Je décrète que cette grâce repose sur vous maintenant. Satan. See this once.
Ces gens they are no longer your candidates. Ne sont plus tes candidats. I command you, je t'ordonne. Lose your hold over their lives. Ton emprise est brisée sur in leur the vie. Name of Jesus Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. From today, à compter d'aujourd'hui, these are not for Jesus Christ. Ils appartiennent à Jésus. Holy Ghost, Saint-Esprit, and grace them. Revêt-les de grâce. Empower them. Revêt-les de puissance. Uphold them. Soutiens-les not to fall back, afin qu'ils ne tombent plus in Jesus name, au nom de Jésus. And amen. Amen. You are blessed. Vous êtes bénis. Please follow the kingdom friend. Sur votre droite, il y a des amis. They'll give further information. Sur votre droite, il y a des officiels they qui vous attendent. Ils vous donneront plus d'informations. Alléluia. Amen. Somebody bless this morning. Quelqu'un a-t-il été béni ce matin? Please have your seat briefly. S'il vous plaît, brièvement, asseyez-vous. Amen. Amen. Today is our end of month Thanksgiving. Aujourd'hui, c'est notre service d'action de grâce. Dedication. De consécration. You want to dedicate anything? You want to dedicate? Vous voulez consacrer quelque chose? Dedicate your house, dedicate your car. Consacrer votre maison, véhicule. Or you dedicate a land you just bought. Ou encore un terrain que vous venez d'acheter. Or you just got married. Vous venez peut-être de vous marier. Or it's your birthday month. Peut-être que c'est votre mois d'anniversaire. Or there is something special you are celebrating God for. Ou il y a quelque chose de spécial et vous voulez rendre grâce à Dieu pour cela. The choir will lead us in a dancing song. La chorale va nous accompagner. You will dance out. Vous allez danser. It's going to be 5 minutes hot and short hot. 5 minutes de haute louange. Then you dance out. Et vous venez devant. And celebrate God. En célébrant Dieu. Every other person. Et toute autre personne. Lift your seed up wherever you are. Levez votre semence là où vous êtes. That seed in your hand is declared blessed. Et cette semence est bénie. It declares sanctified. Et déclarée sanctifiée. As you give thanks this month. En rendant grâce à Dieu ce mois. You will thank in November ending. Vous allez rendre grâce à la fin du mois de novembre. Et si Dieu, Jésus t'aide, à la fin de l'année 2024, vous serez en bonne santé et vous célébrerez Dieu. In Jesus name. Au nom de Jésus. Choir, la chorale. 5 minutes, heavy, short 5 minutes de louange haute. Then we dance and celebrate. Nous dansons en venant devant vers l'autel. Everybody dance and celebrate. Que tout le monde danse et célèbre. Alléluia. Gloire à Jésus.